Ou pas, hein? Sniff. Bon, aujourd'hui, j'ai un copain à vous présenter. Il est là. Ça va, mon copain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne sait pas beaucoup. Je sais qui c'est, lui, par contre. Je vais vous présenter. Il est venu nous surveiller. Eh oui, c'est Cracra. Il ne faut pas dire que c'est un clochard, lui, maman. C'est pas un clochard, lui. C'est le président. Eh oui, il est là, il nous surveille. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là, Cracra? Et je viens regarder tes histoires, voir s'ils sont très 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 bien, voir si c'est les histoires que tu fais, c'est celles qu'on a écrites toutes les deux. Non, tous les deux, pas toutes les deux. Ouais, c'est pareil, on n'a pas de preuve de ta garçon, toi. Pourquoi? Mais on te met une main dans la tête, dans les bras, et dans les fesses. Ah, tu m'as pris pour Jeff Panaclan ou quoi? Je suis pas Jean-Marc, quoi. Je suis Augustin. Ouais, mais tu prends les doigts dans la tête. Allez, raconte ton histoire maintenant. Oh, c'est pas bien, monsieur le patron. Hein. Oh, c'est qui ça va battre le doigt comme ça? Comment tu t'appelles toi, la battre le doigt mal? Véronique, elle s'appelle. Véronique. D'accord. Et Véronique, au coin. Allez, au coin. Cracra va s'occuper de toi, tu vas voir. Donc il a dit tranquille.
Oh mon dieu. On va jamais s'en sortir, Augustin. Ouais, c'est clair. On va rester là. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une jolie histoire. Vous voulez que je vous raconte une jolie histoire? Ouais. Alors, Cracra, tu te rappelles c'est quoi l'histoire d'aujourd'hui? Ben oui, c'est moi qui t'ai écrit. Ben c'est quoi alors? C'est le cochon et le loup. Le loup a faim. Il veut manger du halal. Ah bon, du halal? C'est pas écrit dans le texte, ça. Là, je sais, c'est moi qui vais rajouter. Bon, ok. Bon, voilà, comme il a dit Cracra, aujourd'hui, c'est le loup et le cochon. Donc, j'espère que l'histoire va vous plaire. Je vais me installer derrière, je vais mettre le micro et on va lancer l'histoire. Vous êtes d'accord, tout le monde? Ouais! Pas besoin de crier très très fort. D'accord. Merci. Alors, à tout de suite. Robert! Ouais! Mais le petit musique en attendant le petit cochon. D'accord. Allons la petite histoire. Il était une fois un petit cochon qui se promenait dans le village. Je m'appelle Peggy, la cochonne, Peggy, la cochonne. Et pour les intimes, je suis Rita, la cochonne. Oh, c'est qui tout ça là-bas? Bonjour tout le monde, les gens. Comment allez-vous bien? Ça va très bien? Oui! Oh, moi aussi, ça va très bien. Je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai mes deux frères. Ils sont partis. Donc, j'ai tous les trois maisons pour moi. C'est bien, bravo! Mais oui, quoi? Plus qu'une maison parce que le grand méchant loup a cassé ma maison qui était en paille. Ah oui. Et a cassé la maison de mon frère qui était en autre chose, en carton. Oui, non. Elle était en... Ouais, dis-moi, quoi, elle ne me rappelle plus, moi. Moi non plus, je ne me rappelle plus. Elle était en carton. Ouais, voilà, on dit comme ça. Bon, dans tous les cas, le loup, il a cassé les maisons. Voilà. Donc, du coup, mes deux frères, ils sont partis. Et moi, je me retrouve tout seul dans la grande maison en pierre. Non, en brique. Ouais, c'est pareil. Ouais. Ça reste de la pierre, quoi. Ouais. Et si tout se passe bien, ce soir, je fais la bamboula. Vous voulez venir danser avec moi dans ma maison? Oui! Ouais! Tout le monde, les papas, les mamans, les tatis, les bébés, tout le monde, quoi. Hein, je compte sur vous, hein. Oui! Je vous donne l'adresse après. D'accord. Bon. Bonjour, toi. Comment tu t'appelles, toi? Moi, c'est Cracra. Et toi? Et moi, c'est Peggy. Et pour les intimes, c'est Rita. D'accord. Je peux t'appeler Peggy, moi, si tu préfères, parce que l'autre, je connais pas. Oui, tu peux m'appeler Peggy. T'inquiète, y'a pas de soucis. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sors Augustin, il raconte l'histoire et il veut voir si c'est la bonne histoire qu'il raconte. D'accord. Donc tu me regardes moi, quoi. Voilà, je te regarde toi. Et je surveille tout le monde. D'accord. Bon, ben voilà. Alors, aujourd'hui, je vais aller faire les courses. On va aller chercher des chips, du cochon, hein. On va acheter à boire, du Coca-Cola. On va chercher de l'humorigina. On va chercher plein de choses, quoi. Bon, tout pour l'apéro. Voilà, tout pour faire la fête. Et non, et j'ai préparé une playlist magique. On va pouvoir danser le dance floor. Ouais, vous êtes d'accord tout le monde déjà? Oui. Yeah. Bon, allez, je vais faire les courses. D'accord. Vous surveillez qu'il n'y a pas le méchant loup qui est là. Et s'il arrive, vous criez très fort. Comme ça, mon téléphone, il bip et je reviens de suite. Ok. Allez, à tout à l'heure, les tout le monde. À tout à l'heure. Oh, j'ai faim, moi. Qu'est-ce que j'ai faim? J'ai entendu que Peggy allait faire la fête ce soir. On va aller vérifier ça de suite. Mais de suite. Peggy! Ah, c'est qui crie là? Peggy! Chut,
Peggy! Arrête! D'accord. Tu te tais? Non. Bon. Qui vous êtes tous là? Je veux personne ici, moi. Je veux que moi. Peggy! Chut! Arrête de crier. Bon. J'ai appris qu'il y avait la fête ce soir. Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? Oui. Oui? C'est la fête chez qui alors? Je te dis pas. Oh, t'es méchant toi. Bah je sais. Toi je te veux pas ce soir à la fête. Bah bon. C'est pas toi qui invite hein. C'est pas grave, je vais demander à lui là. Oh, clochard. Clochard. Oh, tu sais moi je suis pas popo. Mais t'es qui toi? Je suis cracra. Oh pardon chef. Excusez-moi chef. Oh mon chef. Je sais même pas où tu es mais t'es mon chef. Tu dois lécher la tête. Je suis le premier déchant du monde. Bon. Ça va mon capitaine? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Mais je viens voir parce qu'on m'a dit qu'il y avait une fête chez Peggy. Et je sais qu'il y a à manger partout. Et j'ai très faim moi. Au garage, il a dalle. Il me tire la langue et tout. Eh ben non, t'es pas invité, Peggy m'a dit. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit que t'es méchant. Mais non, je suis très 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 gentil. Non, le loup il est méchant avec tout le monde. Non, c'est pas vrai. Si. Non. J'ai même vu les anges chaperon rouge, t'es méchant avec le chaperon rouge. T'as même mangé sa grand-mère. Je connais pas le chaperon rouge, moi. C'est ouais. Bizarre. C'est un bonhomme, une petite fille toute rouge, quoi. Toute rouge? Oui. Et aussi, j'ai vu l'histoire des trois petits cochons et j'ai vu que t'as cassé deux maisons de deux petits cochons. Non, c'est pas vrai, ça. Si, c'est vrai, j'ai vu l'histoire. Mais j'avais faim, c'est pour ça. Ouais, t'as toujours faim, toi. Oui, mais j'y trippe. Et toi, t'as jamais faim, toi? Non, pas comme toi. Moi, je mange pas des enfants, et ni des grands-mères, et ni des papas, des bébés, des cas, des tout le monde. Tais-toi bien. D'accord. Bon, je vais aller me cacher, mais vous dites rien. D'accord? Je vais me cacher là-bas, derrière le mur. Et comme ça, quand Peggy arrive, ou quand tous les invités arrivent, je vais rentrer dans la maison comme ça. Bonjour, je suis le chaperon rouge, je viens voir pour manger un petit peu. Et vous, vous dites rien. D'accord? Ok. Je compte sur vous. Hein. Juré, craché, juré. Ah non, crache pas par terre, ça fait sale. Ah non, Corona, je m'en vais. Au revoir, toi, c'est... Elle a craché par terre, la cochonne. Voilà, Peggy, elle aussi. Hein. Voilà, le petit méchant loup. Ah, j'espère qu'il n'est pas mis chez moi. Hein. Hein, j'espère qu'il n'est pas là. Peggy! Oui? Il y a le loup qui est venu chez toi. Quoi? Oui, et aussi... Le loup! Et aussi, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il a dit qu'il va nous voir rentrer. Après, il va faire la voix du chaperon rouge pour qu'il rentre et qu'il nous mange tous. C'est vrai? Oui. Non, du coup, on va pas lui ouvrir quand il fait la... Quand il dit que c'est le chaperon rouge. D'accord. C'est vrai tout le monde, les gens? C'est vrai ce qu'elle a dit, peut-être biscuit? Que le loup va venir manger dans ma maison? Ah, vous surveillez, quand il arrive, vous criez très 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 fort, hein? Mais j'ai fait, mais ton téléphone n'a pas sonné, Ah, mais non, j'ai pas entendu. Excuse-moi. J'ai crié Peggy! Peggy! T'as dit la cochonne? Non, j'ai dit Peggy! Peggy Rita! Ben ouais, mais qu'est-ce que je te dis, hein? Excuse-moi, hein, là où j'étais, j'ai capté pas la wifi. Ah, d'accord. Bon, ben. Attendez, je vais mettre la musique. On va commencer à mettre la musique doucement. D'accord. Les gens vont tous arriver. Et après, on pourra faire la fête tous ensemble. Ouais! Allez, je vais mettre la musique. D'accord. Oh, et non, oh, c'est
Bonjour, papa, comment ça va? Oui, vas-y, rentre, rentre, la fête aujourd'hui. Ouais. Ah, je suis content que tous mes amis sont là. Porcinet, poulet, tout le monde. Aïe, je vais mourir. Je me suis endormi.
Donc l'histoire, c'est pas moi qui l'ai racontée. Bah c'est le loup alors. Mais non. Bah si. Il n'existe pas le loup. Bah je sais pas, mais il était méchant. Regarde sa bouche. Moi c'était l'histoire de trois petits cochons que je lui ai raconté. Bah il y avait qu'un petit cochon. Il s'est passé quoi? Bah en fait il y avait qu'un petit cochon parce que les autres sont partis en vacances. Ah bon? Oui. Et il y avait un loup qui a mangé tout et le cochon il a fait une fête. Ouais. Et il y avait et le loup il est rentré, il s'est pris pour toi. Ah bon? Oui. Et du coup le petit cochon il a laissé rentrer, il a mangé tout le monde. Non. Même le petit cochon et son copain loup. Il a mangé son propre copain? Oui. Mais c'est qui a raconté l'histoire? Bah c'est lui. Je vous jure c'est pas moi. Il a même voulu manger Cracra. Ah bon? Oui. Chef, il a voulu te manger? Ouais, mais non mais c'est pas mon histoire, hein. Je te jure c'est pas moi. T'es sûr que c'est toi qui a raconté ça? Hein, parce que moi, mon histoire à la base, c'était le petit cochon faisait une fête. Bah oui, c'est ça, mais sauf que ouais. Le loup, il est venu, il a mangé oui. Tous les invités. Ah non, c'est pas comme ça, moi. Bah ouais, il a mangé tout le buffet. Oui. Et après, il devait s'excuser au petit cochon et il faisait la fête tous heureux et bien content. Bah non, mais lui, il a mangé le buffet et tous les invités, plus le petit cochon et son propre copain. Attendez. Robert! Quoi? Dis-moi une question, s'il te plaît. Je me suis endormi? Oui. Est-ce que t'as pris mon micro? Oui. Est-ce que t'as raconté l'histoire? Oui. Oh non! T'as fait que des bêtises alors? Non. J'ai pris le test que tu m'avais, que t'avais devant les yeux. C'est quoi le titre du truc? Du test? Le chaperon rouge? Mais non, tu t'es trompé d'histoire! T'as mélangé les deux histoires! Non, c'était les trois petits cochons qu'il fallait prendre! Oh, t'es bête, Robert! Oh, t'es nul, Robert! Sans déconner! Bah, c'est pour ça, c'était... Oh là là! Il a tout mélangé! Oh, je vous promets, je ne dormirai plus jamais! Parce que là, il a tout craché, Robert! Et aussi, le loup, oui. Il a voulu me manger! Ah, qui a toi? Oui! Non, c'est pas vrai. Si. Oh, le coquin, il est pas bien. Bon, j'espère qu'il va pas rimer. Hein. Bon, est-ce qu'en tout cas, est-ce que ça vous a plu, les enfants? Oui. Avec le jeu de feu. Oui. Attendez, je bouge le micro. Ah, il y a mieux. Très, 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 très sûr? Oui. Ah. Robert, t'as arrêté le micro? Oui. Bon, maintenant, on va faire le film. Viens, Lolo. À côté de toi, vite, regarde! Méchant loup! Qu'est-ce que tu fais là, le loup? Ben, je viens te manger. Ben non, faut que je finisse ce spectacle. Ben non, je veux te manger. Augustin, pars vite! Non, je vais faire ma technique favorite. Ok. Tu connais le couper les carrés? Non. Tu connais Zinedine Zidane? Non. Et bien, tiens! Dégueulasse. Non, t'inquiète, il va faire la danse avec moi. Est-ce que vous êtes chaud pour le final? Ouais. J'entends pas. Est-ce que vous êtes chaud pour le final? Wouh. Bon, allez, c'est parti. Et toi, tu peux pas le faire. Oui. Nanani, nanana. Allez, c'est parti. Désolé, ce soir, je n'ai pas le sourire. Je fais mes têtes sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage. Visage de clown, je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis là pour vous faire oublier. Vous voulez que ça bouge? Ce soir, je suis payé. Allez, on prendra à toi. Vous a plu, hein, n'hésitez pas à laisser des jolis commentaires, de envoyer des petites vidéos comme d'habitude, comme ça
Chakra qui est là pour en faire un petit montage dans le chat. Donc n'hésitez pas, on compte sur vous. Merci à vous d'être là tous les soirs si nombreux et de regarder chaque vidéo de mon cher copain Chakra Tom. Et en tout cas, merci à vous d'être toujours là présent pour nous. Et merci.